Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, je fais un nouveau vlog, ça fait presque un an que j'ai pas fait de vlog sur ma chaîne et j'en suis désolée parce que j'adore ça. Mais aujourd'hui c'est une journée particulière parce que je vais aller chercher mon petit chaton du coup dans un refuge, enfin au magasin Point Dog, mais il était dans un refuge pour l'adopter. Donc je suis grave contente, je suis trop contente, j'ai trop hâte, donc j'ai acheté tout ce qu'il fallait. Là je vais aller me préparer, il est 9h, j'ai rendez-vous à 10h du coup. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté pour elle. Et ça serait une petite femelle que je vais appeler Molly. Voilà, M-O-2-L-Y. Donc je vous montre un petit peu. Donc j'ai acheté la litière du coup à 10€ à Babou avec de la litière silice. Je vais tester un peu toutes les litières, on va voir celle qui correspond le mieux pour elle. Des petits trucs, bon voilà, avec ses gamelles, etc. Et bien sûr, l'arbre à chat. Donc voilà, donc j'ai tout bien mis, le canapé sous drap, parce que c'est pas notre appartement, il est déjà meublé, donc je préfère vraiment anticiper la chose si jamais. Et vu qu'ici je vais la laisser ici aujourd'hui parce que je vais travailler malheureusement, j'ai mis des coussins vraiment tout le long pour pas qu'elle tombe en fait, parce que je sais pas trop comment ça va réagir encore. Donc je vous dirai ça un peu plus. Donc j'ai trop hâte, là je suis excitée. Je me suis couchée vers 2h ce matin tellement que j'arrivais pas à dormir et tout. Donc voilà, j'ai pas réussi à m'endormir quand je suis repartie me coucher à 7h parce que j'ai trop hâte. Donc voilà, allez c'est parti, trop hâte. Voilà, je suis prête, du coup je me suis maquillée un petit peu. Oh là là, je vais m'estomper, ça va pas du tout. Attendez. Voilà, un peu mieux. Bon bref, on s'en fout, de toute façon je vais me remaquiller un petit peu tout à l'heure. J'ai fait le minimum parce que je veux pas perdre de temps, sachant que je suis pas beaucoup là aujourd'hui et je peux que aller la chercher aujourd'hui. Donc écoutez, c'est parti, on y va, j'ai trop hâte. Je vais mettre la poubelle aussi, j'ai trop hâte, c'est un truc de ouf. Je vais pas savoir à quel point. Je suis trop contente, voilà. Donc voilà, je viens d'arriver à Point Dog. Donc je suis trop excitée, j'ai trop hâte, j'ai trop mal au ventre, je suis trop stressée. Je l'ai jamais vu en vrai ce petit chaton, je l'ai vu quoi en photo, donc mais je sais que je vais craquer de toute façon, donc voilà, bon. Allez, il est 10h, je vais y aller, je vais essayer de vous filmer peut-être dedans ou sinon je vous filmerai à l'intérieur. Voilà, la petite choupette elle est là, coucou ma belle. Hello. Oh, allez, vite on va à la maison. Elle a peur de sortir encore la pauvre. Je la pousse pas. Coucou Molly. Hello mon bébé. Coucou. Oh, je l'aime déjà d'amour. Elle est trop belle. Regardez comment elle est belle. Ça fait même pas une heure que je l'ai et elle joue, elle s'amuse, elle fait comme si elle connaissait l'appart depuis toujours. Désolée pour la luminosité, c'est pas très du contraste, mais franchement elle est vraiment trop mignonne quoi, elle joue tout le temps. Enfin franchement je suis contente d'avoir un petit chaton comme ça quoi, qui s'adapte vite. Donc là je vais me faire un petit trait de liner, il est 12h30, je vais jouer encore un petit peu avec elle et ensuite je vais aller au travail. Du coup je vais la laisser toute seule, j'ai pas trop envie. Mais bon, je suis bien contente qu'elle miaule pas, qu'elle pleure pas pour l'instant en tout cas. Donc de toute façon j'ai une pause à 18h, je reviendrai à 18h la voir. Donc voilà, je suis trop heureuse, elle est trop belle, elle est trop gentille, elle est tout quoi. Donc je suis trop contente. Donc voilà, on se dit tout à l'heure, je pense à ma pause ou quand je partirai. Donc voilà. Donc là, je suis à mon heure de pause et je suis venue la voir au plus vite parce que j'ai qu'une heure. Donc
forcément, et du coup elle était en train de dormir toute seule et tout. Ça m'avait fait mal au cœur de la laisser toute seule, mais bon, j'avais pas le choix, j'avais personne pour venir la garder. Et je veux vraiment qu'elle reste dans le même environnement pour pas trop être dépaysée au moins le premier jour. Je vais chez mes parents demain pour voir, mais du coup, bah, là elle se réveille tout doucement. Elle a été dans mes bras et tout, alors que tout à l'heure je pouvais pas trop la porter parce qu'elle était agitée à jouer. Donc oh pardon ma choupette. Je reprends le travail du coup à 19h. Oui, j'ai une pause à 18h pour reprendre à 19h pour finir à 20h30. Et donc après bah, je vais encore la laisser toute seule parce que j'ai un anniversaire de prévu depuis un mois et je peux pas annuler. Oh mais attention ma choupette. Je pouvais vraiment pas annuler. J'ai annulé la boîte déjà parce que bon, d'un côté ma cousine sait très bien que j'aime pas du tout les boîtes de nuit. Donc j'ai annulé la boîte, mais je vais au resto quand même. Donc je vais la laisser 4 heures toute seule, comme tout à l'heure, ma petite choupette. Donc voilà. Oui. Ah, ça chatouille. Coucou. Elle ronronne, mais de fou. Regarde, c'est toi. Désolée, j'ai oublié de finir la fin du vlog hier soir, donc je suis allée chez ma cousine et tout ça pour faire son anniversaire. Et du coup, bah, j'avais laissé ma petite Molly. C'est bon, elle a réussi, enfin elle avait un petit peu peur au début, donc elle a fait caca et pipi, voilà. Et donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je voulais juste vous dire que bah, Molly c'était une typée siamoise avec... Je l'ai prise dans un refuge du coup et après j'ai été la chercher à Point Dog, donc j'ai payé 124€ juste pour les frais d'adoption en fait. Donc voilà, je vous fais tous de très très gros bisous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.